Culture à présent, la 21e édition de la Semaine nationale de la culture. L'heure est aux préparatifs pour la troupe Nazuki, déballée dans la boucle du monde. En lice dans la discipline danse traditionnelle pour l'adulte, elle est toujours dans la phase de création pour une prestation mémorable à Bobo 2024. Séance de répétition avec Sidin Yide Ouidrago et Karim Ouidrago. Au son du kerenko, du petit tambour et du balafon, ces femmes et leurs griots se préparent pour la SNC Bobo 2024. Sous cet arbre à l'abri du soleil, les danseuses esquissent les pas au rythme de ces instruments de musique traditionnelle. La danse que nous faisons, c'est une danse de résilience. C'est pour prouver que malgré les difficultés que nos maris ont, ils sont là. Nos maris combattent et nous, on, à travers cela, on démontre que même si nos maris sont au combat, nous on est là pour perpétuer la culture. Chorégraphie, occupation scénique sont entre autres actions menées sous le regard de leur encadreur. Pour le moment, bon, ce n'est pas encore vraiment comme je veux, mais maintenant, en fur et à mesure, on va encore améliorer les choses. Comme il nous reste encore au moins 3-2 semaines à travailler, donc on va essayer de vraiment maximiser sur le travail pour que quand ils vont sortir sur le podium pour que les gens puissent savoir que ça va être vraiment karma différent que les autres. Nous, on est venu pour compétir, donc ça doit être différent. La troupe Nazuki est à sa 4e participation aux phases finales de la SNC pour le compte de la région de la boucle du Mouhoun. Ses ambassadeurs rêvent donc grand pour cette édition. Cette année, nous croyons que nous allons revenir avec les bons résultats parce qu'on a innové. Nous sommes des femmes. On veut prouver au Burkina Faso, au monde entier, que les femmes peuvent exécuter des pas d'hommes et qu'elles peuvent aller au combat à travers les rames qu'elles ont. C'est une troupe composée de 4 griots et 8 danseuses. Les répétitions vont se poursuivre jusqu'au départ pour la SNC 2024, prévue du 27 avril au 4 mai prochain.